Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes juste avant le mois de Av. Comment gagner en performance et être efficace? Là, c'est le cours de ce soir, et particulièrement pour notre très cher JC. Travaille rapidement. Quoi d'autre? Et puis apprendre avant, parce que si on ne connaît pas, on ne sait pas arriver le temps. Apprendre avant. Qu'est-ce que tu dis, toi? Toujours chercher à se perfectionner. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il dit notre Fabrice? Implication, c'est important. Implication. Comment gagner en performance et être efficace? Comment gagner du temps et être efficace? Exact. C'est-à-dire que tu comptes deux jours et tu fais deux jours. Enfin, quelle est la chose la plus importante à commencer à faire le matin dès qu'on se réveille? Est-ce qu'il faut commencer le matin dès qu'on se réveille à faire quelque chose qu'on aime faire, ou mieux commencer le matin à faire quelque chose qu'on n'aime pas faire? Là, on réussit, le mieux, c'est là où on fait ce qu'on n'aime pas faire. Bravo, qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, je pense qu'il faut commencer par ce qu'on n'aime pas faire. Tu penses de repousser au lendemain. D'accord. Et donc, quel est le but de commencer par quelque chose qu'on n'aime pas faire? Parce que tu vas gagner avec. Tu vas te décourager rapidement. Tu es en train de faire quelque chose que tu n'aimes pas. Dans ça, tu liquides ce que tu n'aimes pas et après tu avances. Tu vas demander peut-être plus d'efforts. Demander plus d'efforts. Quoi d'autre? Et du coup, après, quand tu vas passer à ce que tu aimes faire, tu auras encore plus envie de faire. C'est la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. Il faut d'abord avoir le gâteau pour mettre une cerise dessus. Comment, de manière ou d'une autre, on est obligé de faire ce qu'on n'aime pas, parce que si on veut apprécier ce qu'on aime faire, ben on ne peut pas comprendre. Chers amis, la question qu'on doit débattre ce soir, c'est une question tellement riche qui nous apprend comment réussir dans la vie. Comment commencer le matin? Quelle est la première des choses qu'on doit faire le matin? La majorité des gens, ils préfèrent commencer par quelque chose qu'ils aiment. Les gens, ils aiment verser un café, ils aiment en général commencer à lire un journal, se mettre à l'aise, et commencer à la longue journée qu'ils ont à faire. Mais il y a une théorie qui vient qui te dit qu'il faut faire juste l'inverse. Le premier qui a dit ça, c'était le fameux écrivain américain Mark Twain, qui a dit, on a décrété sur toi de manger une grenouille aujourd'hui, avale-la la première des choses le matin. Si ça a été décrété sur toi de manger deux grenouilles, commence avec celle qui est la plus grande. Et récemment, c'est quelque chose qui commence à prendre place dans la société. Alors non, on ne mange pas des grenouilles, mais on allait dire, si on t'a décrété de manger un radis le matin ou un réfort, commence avec ça. L'idée, elle est de commencer la journée avec quelque chose que tu n'aimes pas faire. Commencer la journée avec quelque chose que c'est pas ton truc, c'est pas ce qui te parle le plus. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en général, quelqu'un, il préfère repousser pour plus tard, pour plus tard, pour plus tard. Chacun, il a des tâches qu'il doit remplir. Il doit arriver au travail, se préparer pour un examen, vérifier les emails, lever le téléphone, il va travailler, mais la journée est passée et il n'a pas continué, il n'a pas commencé à faire ce qu'il devait faire. Pourquoi quelqu'un, par définition, repousse ce qu'il devrait faire? Pourquoi il reporte à plus tard, à demain, après-demain? Pas, il ne le fait pas ce qu'il doit faire aujourd'hui. Il y a deux raisons. Ou parce que quelqu'un, il craint de réussir. Il a peur de réussir trop vite. Ou parce qu'il a peur de ne pas réussir. L'un, c'est un perfectionniste. Et il a peur qu'il ne va pas pouvoir être à la tâche, être à la hauteur. Et donc, il reporte ça continuellement pour ne pas se confronter à l'échec. Bravo. Et là, c'est le contraire. Il a peur de réussir, et donc son ordre journalier est totalement le contraire. Et donc, il reporte plus tard pour ne pas se confronter à sortir de sa zone de confort et faire quelque chose qu'il n'aimerait pas faire. En tout cas, le jour est un jour plein d'énergie. Et c'est pour ça que quand tu as quelque chose d'important à faire le matin, fais-le depuis le départ. Comment réussir avant de dormir le soir? Mets-toi sur une liste, quelles sont les tâches importantes que tu as à faire demain. Et parmi elles, je te dis, parmi ces tâches, quelle est celle que je préfère reporter? Faire le sport, je vais faire dans l'après-midi, faire ci, je fais l'après-midi. Et commence ta journée essentiellement avec la tâche que tu voudrais reporter. Le fait d'avoir eu cette victoire dès le matin, ça va t'enlever le stress sur la tête, ça va te remplir la journée plein d'énergie, tu vas être productif, plein de force, et tu vas pouvoir affronter la journée comme il faut. Ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, c'est pas si simple. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde où on s'est habitué à penser avec cette pensée libérale qui dit « Sois entier avec toi-même. N'écoute pas ceux qui veulent changer ton quotidien. Ne chamboule pas trop ta zone de confort. Fais ce que ton cœur te dit. Fais ce qui te fait plaisir. »
On fait tous attention à choisir des mots pour ne pas toucher qui que ce soit. Tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un quelque chose qui va le basculer, le bousculer un peu de sa zone de confort, qui ne va pas être totalement, je veux dire, à l'aise avec ce que tu viens de dire. Viens à l'approche dans laquelle on va discuter ce soir. Je te dis que la clé pour une vie réussie se trouve particulièrement dans un combat contre la nature. Faire quelque chose que tu n'aimes pas faire. Le fait d'avoir cette victoire dès le matin, ça te donne de l'énergie, ça te donne de la puissance, ça te donne de la force. La chassidoute, le judaïsme, parle à travers cette phrase justement de Mark Twain qui vient et qui te dit qu'on a le devoir de se surpasser, on a le devoir de se surmonter. On a le devoir d'aller à Monténégro sur 44 degrés de chaleur et parler avec pendant 10 heures avec des jeunes, sans penser s'il fait chaud, s'il fait froid. On a tous la possibilité de faire une version plus belle, meilleure de ce que nous sommes naturellement. C'était pas pour rien que Job a dit la fameuse phrase « Adam, l'ama, l'ulad, un homme a été créé pour se fatiguer. » Ça veut dire que les Chachamim nous ont dit « Yagata ou Matsata tamis, si tu t'es fatigué, t'as cherché, et t'as trouvé. » Les Chachamim, nos sages, on te croit. Si tu t'es pas fatigué, je te crois pas. Si tu réussis pas à surmonter tes traits de caractère et t'es arrivé de nulle part quelque part, il y a quelque chose qui va pas. Tout doit venir avec fatigue. Dieu l'a décrété dans la nature humaine qu'on a la volonté de vouloir avoir cette victoire, de vouloir gagner. On veut réussir. Et c'est le fait d'avoir cette surprise dès le matin qui te transforme la journée en journée anormale. En journée positive, en journée pleine de réussite. Pas de faire la routine ce que tu as l'habitude de faire. Fais ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Fais ce que tu n'as pas envie de faire. Et tu vas voir comment tu réussis. Le Tzematzel est le troisième rabbi de Chabad. Il avait l'habitude d'avoir un dévoilement de son grand-père, l'Admor Hazaken, tôt le matin avant la prière de Shacharit, alors qu'il était déjà décédé. Il venait lui venir en tête et lui racontait des secrets de la Torah, etc. Quand il avait des questions, il mettait son talit le matin et il méritait qu'il répondait à ses questions. Une fois, il avait une question difficile. Il attendait que son grand-père vienne le voir, mais il n'a pas mérité de le voir. Il a eu de la tristesse, il s'est dit « qu'est-ce qui se passe ?» Et là, il s'est rappelé qu'il était en route pour aller à la synagogue, il y a un commerçant qui l'a arrêté et qui lui a demandé « est-ce que tu peux me prêter quelques roubles, quelques pièces ?» Pour commencer la journée, parce qu'il devait aller au marché, acheter quelque chose. C'est Martin qui lui a dit, écoute, je me précipite avant de parler à la synagogue, tu me déranges dans mon chemin. Une fois que j'aurai fini la prière, je pourrai te prêter. Et là, il a ressenti, il s'est dit, tu sais quoi, j'ai un juge qui m'a demandé de l'aide. Et à la place de lui répondre le matin, tôt le matin, je vais s'occuper de moi-même. Pour ça, je vais pas mon grand-père. Il a enlevé son talit, il est parti dans le marché, il a cherché le commerçant. Il lui a prêté l'argent, il rentre à la synagogue, il met son talit, et là, le rabbi Admor Hazaken l'a éclairé et montré son visage. Pourquoi toute cette discussion aujourd'hui? Parce qu'on est dans la paracha Matot Maaseh, ce Shabbat, on va finir le Chumash Bamidbar. Et on a quelque chose qui nous dérange énormément dans le comptage des 48 voyages. 48 voyages qu'on voit dans le désert, la Torah te dit, ils ont voyagé d'un endroit, ils ont campé dans un autre endroit. Vayissou, Vayachanou, ils ont voyagé, ils ont campé. 50 versets. 50 versets pour te dire les étapes. Qui t'apprennent absolument rien. Tu apprends rien de ce qu'ils ont fait dans cette étape. La Torah ne te dit pas ce qu'ils ont fait là-bas. Est-ce qu'ils ont eu une expérience merveilleuse ou pas? Est-ce qu'ils ont eu un merveilleux lac ou une merveilleuse baignade? Rien du tout. Tu te dis les lieux et les endroits, ils ont voyagé de tel endroit à tel endroit. Quand tu compares avec la création du monde, la création du monde dure en 6 jours. 6 jours la création du monde. Bienvenue madame, donnez une feuille. 6 jours la création du monde. Et là tu as... Et là, c'est la création du monde, elle prend combien de temps? Une feuille. Une feuille. Ça, c'est les gens qui ont déjà bu avant de venir. Une feuille dans laquelle la création du monde te parle de 31 versets. L'histoire de Matan Torah et les 10 commandements, 14 versets. Là, on te parle de 50 versets pour rien dire. 50 versets qui est plus que l'histoire de la création du monde et le don de la Torah. Maintenant, qu'est-ce que tu cherches à montrer qu'il y a le plus de tampons dans le passeport? Je dis, à certains endroits, dès que tu rentres, tu mets un tampon dans le passeport. Je n'ai pas longtemps, j'ai dit, ma femme, elle a dû changer de passeport parce qu'il y avait trop de tampons dans le passeport. Et à la frontière française, ils m'ont dit, on pourra pas te laisser passer une autre fois si tu ne changes pas de passeport. Parce qu'il n'y a pas de page où mettre un tampon. Donc s'il faut, tu n'as pas le droit de mettre un tampon sur l'autre. Maintenant, on sait très bien que les gens, ils étaient dans le désert. Ils sont partis du désert, ils sont morts. Qu'est-ce que ça m'arrange? Qu'est-ce que ça m'intéresse de savoir pour la nouvelle génération qui rentre maintenant en Israël? Où ils ont campé, où ils ont voyagé, où ils ont campé, toutes les étapes pour finalement arriver en Israël. Et ça, c'est une question qu'a demandé le grand kabbaliste italien à l'époque de l'Inquisition, Rabbi Avraham Saba. Regardez notre mort, la deuxième phrase, Parashat Maaseh. Dans toute la Torah, il n'y a pas quelque chose qui a l'air tellement inutile comme les voyages. Comme les voyages qu'on énumère cette semaine. Pourquoi?
Et la question qui dérange, c'est pas tellement, c'est sûr, c'est une question importante, mais la deuxième question, c'est que la Torah, elle s'inquiète sur où ils ont voyagé. Ils ont voyagé de tel endroit, ils ont campé à tel endroit. En général, quand tu prends un voyage et tu vas en vacances en Grèce, tu vas dire, on a fait un stop à Paris, on a fait un stop en Allemagne, on a fait un stop en Grèce, un exemple. La Torah, elle parle pas des stops. La Torah te dit de où ils sont partis. Ils sont partis de tel endroit, ils sont partis de tel endroit. Tu dis, après, ils sont stoppés aussi, mais d'abord aussi, ils sont partis. Ce qui est en général pas normal. Même si la nostalgie est énormément importante, la Torah vient te dire, voici les voyages que le peuple juif a voyagé. Qui veut dire, voici à chaque fois les étapes qu'ils ont redécollées. Elle ne te dit pas où ils ont atterri. Le but est de savoir où on a fait des stops, où on a fait une pause, où on a fait une escale pour arriver en Israël. La Torah aurait dû te dire, et les chanayot d'Israël, voici les campements du peuple juif, où on a campé, où on a atterri, où on a fait une pause, où on a fait une escale. Pas venir te dire, voici les voyages. En te disant, voici les voyages, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Qu'est-ce que j'en ai à faire? De où t'es parti? Ça, c'est de savoir où tu t'es arrêté. Ça, c'est la question que le Hacher demande. Pourquoi on compte les voyages et pas les campements, les escales? Le monde, en général, ne compte pas les endroits de où il est parti, mais où il a arrêté, où il a fait une pause. Où il s'est arrêté, on s'est arrêté là, on s'est arrêté là, on a fait une pause par-ci, on a fait une pause par-là. Maintenant, s'il n'y a rien qui s'est passé, si c'est un voyage inutile, quel est le but de raconter, voici le voyage, si ce n'est pas pour te dire ce qui s'est passé quand vous avez campé? Parce que si du voyage A au voyage B, il y avait juste une escale pour rien faire, il n'y avait rien de spécial à cette escale, qu'est-ce que je veux en savoir? Qu'on a voyagé de là-bas? Il n'y a rien, ce n'est pas pour me dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire voyager dans la Torah? Voyager dans la Torah, ça veut dire déménager, partir d'un endroit pour aller vers un autre endroit. Aujourd'hui, quand tu parles de voyage, c'est pas si important que ça, parce que le but, c'est d'arriver à destination. Je suis parti à Monténégro, j'ai eu un escale à Belgrade. Qu'est-ce qu'on en a fait? Belgrade, c'était une étape. Ça concerne personne. Voyager veut dire se délocaliser, partir, se déplacer de l'endroit où tu te trouves. Alors que camper, faire un escale, atterrir, c'est arriver à l'endroit. Tu comprends? En général, tu voyages de tel endroit et tu arrives à tel endroit. Et la Torah t'a parlé de ça dans plusieurs endroits. Pourquoi la Torah se focalise ici plus sur d'où ils sont partis, plutôt de nous dire et de s'arrêter sur l'accent sur où ils se sont arrêtés? Quel est l'essentiel de savoir d'où tu es parti ou où tu es arrêté? Où tu as fait une pause ou d'où tu es parti? Le chemin parcouru, justement. Très bien, la distance, on la sait. La distance, c'est d'Égypte à Israël. Maintenant, qu'est-ce que tu veux savoir au milieu? Où ils se sont arrêtés? Où tu veux savoir d'où ils sont repartis à chaque étape? Que ça t'apporte quoi? Tu préfères savoir où tu t'es arrêté, non? Demain, tu vas aller à Dubaï. Tu vas savoir quelle escale t'as fait. Tu vas pas dire, on est parti de tel et tel aéroport. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Tu vas savoir quelle escale. Toi, maintenant, je sais que tu vas à Dubaï. Maintenant, deuxième question. Moi, Zakhane te dit, le verset de la paracha, de la deuxième paracha qu'on lit sur Shabbat, il te dit, voici les voyages que le peuple juif est parti pour sortir d'Égypte. Il n'y a pas eu des voyages pour sortir d'Égypte. Il y a eu un voyage pour sortir d'Égypte. Je sais pas, d'Égypte à l'eau désert ou à Shamacher, on va savoir, c'est sorti un seul voyage de Ramsès à Sukkot à Torah. Après ça, il y a eu encore 41 voyages en dehors du pays. Comme quelqu'un qui est parti d'Orissi en Israël ou dans le Jumaï, il s'est arrêté 40 ans en Europe et il a fait 42 escales. Il n'a pas dit, voici les voyages avec lesquels je suis sorti de Russie. Il m'a dit, voici les voyages par lesquels j'ai traversé l'Europe. Mais sortir de Russie, c'était un voyage, pas 36. Ça, c'est la question que le Mourazakin demande. Le Rambam Maïmoné, dans les Guides des Égarés, chapitre 3, pardon, volume 3, chapitre 50, il te dit que le but, c'est de marquer les miracles forts qu'ils ont eu dans le désert. La nature d'un humain, c'est d'oublier les miracles qu'on lui a fait. Et dire, c'est les lois de la nature. La nature est tellement bien faite que, d'accord, l'homme est quelqu'un qui a la tendance à oublier qu'il peut avoir quelque chose de miraculeux. Tout est naturel, le corps humain est naturel, les parties du corps sont naturelles, le corps fonctionne naturellement. C'est pour ça que tu as des historiens qui viennent et qui vont essayer toujours de flouter les différentes étapes dans le désert. Au début, c'est normal qu'on était à côté de tel territoire et que de l'eau est arrivée miraculeusement, mais pas miraculeusement, miraculeusement. Naturellement, il y a une fontaine qui devait être quelque chose caché depuis 10 milliards d'années dans cet endroit. Dans un autre endroit, ils vont te dire c'est normal qu'il y avait du manger qui était caché. La Torah te répète tous ces endroits spécifiques pour te dire, sache que à chaque instant, pendant ces 42 étapes, on était vivant, on a survécu miraculeusement. Ça explique la première question. Mais ça renforce la deuxième question. Si c'est comme ça, pourquoi la Torah n'en fait pas une telle histoire des campements? Elle fait une plus grande histoire des voyages.
puisque tu veux me symboliser, tu veux me marquer les miracles qui se sont passés. Alors, parle-moi des miracles, parle pas d'autre chose. Rashi vient te donner une deuxième réponse. Rashi te dit, pourquoi la Torah te parle des voyages? Pour te dire que ce n'était pas si malheureux que ça peut avoir l'air. Pas si malheureux, ce n'était pas si loin que ça. Malgré qu'ils ont dû être 40 ans dans le désert, Dieu l'a pitié sur eux. En réalité, il les a fait voyager 20 voyages en 38 ans. Et encore 14, qui étaient avant le décret, ce qui s'est passé avec les explorateurs, et 8 la dernière année. Ça veut dire qu'en réalité, si on fait le calcul, il y avait une fois tous les deux ans un voyage. Ça va. C'est pas que tu fais un voyage de 3 heures en avant et tu as 3 escales. Ça va, c'est pas si grave que ça, on va dire. Rashi ne se suffit pas avec cette explication. C'est difficile de dire que 50 versets dans la Torah sont dits juste pour te dire que les voyages n'étaient pas si durs que ça. Maintenant, j'allais te dire une autre chose. Quelqu'un qui me dit qu'en 38 ans, il a déménagé 20 fois, il a aussi un problème. C'est pas non plus quelque chose de normal. Là, tu vas me dire, c'est seulement une fois tous les deux ans. Oui, mais c'est pas non plus un jeu. Chaque fois, empaqueter les cartons, refaire les cartons, refaire. Et même si tu vas me dire que pour eux, c'était pas des grands, on va dire, des grands châteaux, des grands palais, c'était des tentes. Et bref, embarquer la tente, c'est pas si dur que ça. Néanmoins, me dire que déménager 20 fois en 38 ans, c'est pas forcément montrer la sagesse de Dieu ou la bonté de Dieu envers eux. Et c'est la question que Rambam Nachmani, Rabbi Moshe ben Nachman, te dit que c'est pas convaincant. Il n'y a pas d'explication logique derrière. Il y a un secret qui se cache derrière. On va voir une base que le Baal Shem Tov, le premier auteur de la Chassidut, qui a écrit son petit-fils, le Machane Ephraim, écrit en te disant que ces 42 voyages reflètent les étapes de la vie de chacun d'entre nous. On passe tous dans la vie de chacun d'entre nous 42 voyages. Depuis qu'on est né, qu'on est sorti du ventre de notre mère, qui est la sortie d'Égypte, comparée à la sortie d'Égypte, toute la vie, on avance de voyage en voyage. Et pourquoi la Torah, elle accentue, elle fait un tel effort à te parler de 50 voyages pour savoir quelles sont les étapes à prendre dans la vie et comment avancer dans la vie. Tellement riche. Donc il te dit qu'en vérité, ces voyages n'ont pas été écrits pour le passé. Ils ont été écrits pour la vie de chacun d'entre nous. Parce que chacun d'entre nous, on passe par ces 42 voyages. Chacun, on a un endroit qui s'appelle Mara, qui veut dire un endroit où il y a de l'amertume. Chacun, il a un endroit qui s'appelle Mitka, un endroit où il y a des douceurs. Chacun, il a un endroit qui s'appelle Kivrot HaTahava, où on a enterré les fantasmes et les désirs, ou des endroits qui sont totalement contraires. Et la Torah, elle te prépare à ces voyages pour te dire comment te préparer dans la vie, comment te réussir dans la vie, comment avancer dans la vie, comment faire en sorte de ne pas avoir ce qu'on appelle des revers du décor. Non? T'es là ou t'es pas là? Et on va voir comment la Bible nous apprend ça sur une magnifique, comment on appelle ça, une magnifique leçon qu'on apprend dans ces 42 voyages qui est tellement riche pour réussir dans la vie de tous les jours. Et si tu veux, ce sera après le cours, on replace sur eTorah, sur le nouveau site eTorah.fr, application eTorah, ainsi que les podcasts et les Spotify, etc., etc. Il y avait un ami qui a grandi avec des grandes difficultés, il avait beaucoup d'allergies, qui lui donnait énormément de souffrance. Une fois, il avait comme un champignon dans la bouche. Et à cause de ça, il ne pouvait pas manger. Ça lui a causé même de ne pas pouvoir respirer ou avoir des problèmes de respiration et avoir une infection des poumons. Il ne grandissait pas. Sa mère ne savait pas quoi lui donner à manger. Et jusqu'à ce qu'il mange quelque chose, il crachait tout. À cause du champignon qu'il avait dans la bouche. La famille, c'était une grande souffrance pour la famille. Et à cause de la naissance avec cet enfant, la mère n'est pas repartie travailler parce qu'elle n'arrivait pas à le nourrir. Elle s'inquiétait pour son enfant plus qu'autre chose. Le grand-père est parti une fois voir le rabbi. Il a demandé de nourrir pour la famille. Et il a particulièrement parlé de la maman avec son enfant, qui a un problème de santé grave. Le rabbi lui dit, mais non, il y a une réunion des femmes rabbins en Israël. C'est sûr qu'elle est occupée avec cette réunion, cette femme. Et donc c'est une bonne cause que l'enfant soit en bonne santé. À l'époque, le rabbi était sorti avec la campagne d'allumer les bougies de Shabbat pour les petites filles, puis le plus bas âge, la cache-route, etc. Quand ils ont entendu ça, ils ont demandé à la maman de venir au congrès qui est organisé en Israël pour les femmes rabbins. Elle se disait, j'ai même pas la tête à ça en ce moment. Elle est tellement occupée avec l'accouchement, son enfant, etc. Elle n'arrivait pas à se concentrer. Le rabbi l'a demandé. Elle n'a pas le choix. Donc elle se prépare. Elle était assise avec le comité pour organiser le grand événement. Elle a même été le maître de cérémonie de l'événement. Le lendemain matin, l'infection des poumons est partie. Le champignon qui dérangeait cet enfant depuis 3 mois a quitté. Il n'y a même pas besoin d'avoir une ordonnance. Et le mois d'Adar, Rosh Chodesh Adar,
elle est repartie travailler comme elle et tout. Combien de fois quelqu'un il se sent avec une fatigue, un vide, une faiblesse, qu'il n'arrive plus à contrôler sa vie. Il se lève le matin et se dit, comment je vais m'en sortir? Qu'est-ce qui va me sortir d'ici? Qu'est-ce qui va me donner un sens à la vie? Qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir reprendre goût à la vie? La parachat Massé, elle vient et te donne la réponse. Va combattre toi-même. Va surmonter toi-même. Fais quelque chose que tu n'as pas envie de faire le matin. Comme quelqu'un qui n'aime pas les tomates, va manger une tomate. Fais quelque chose que tu n'as pas envie. Cette petite victoire va te montrer comment tu es fort et va te donner le courage de pouvoir affronter de nouvelles horizons. Regardons les trois derniers chumashim qu'on a eu, qui arrivent à la fin de cette paracha. On a eu un peuple, depuis Shemot va écrire Bamidbar, d'accord? On a eu un peuple d'esclaves qui est sorti d'Égypte, brisé, désespéré, traumatisé, aucune confiance en eux-mêmes, à peine ils croient en Dieu. Ils n'ont aucune notion de qu'est-ce que sont les mitzvot et qu'est-ce que c'est la Torah. Après 40 ans dans le désert, ils arrivent à la porte d'Israël, craignant Dieu, faisant les mitzvot. Et ils sont maintenant forts pour pouvoir conquérir toute cette terre. Comment ils ont réussi? Comment une nation est née à partir de des gens qui n'avaient aucun espoir, traumatisés, déchirés après tellement d'années d'esclavage, 210 ans, 86, comme on a vu les différents détails dans les cours qu'on peut avoir sur l'application du terrain. Viens à la parachute cette semaine, elle te dit, voici les voyages, voici ce qui s'est passé avec eux, qu'ils ont déraciné de leur nature, qu'ils ont élevé à un niveau totalement différent. 42 fois, le peuple juif est parti en voyage, et on sait combien c'est difficile pour quelqu'un de se lever du lit, ou se lever de sa position et se dire, je me prends en main et j'avance. Il y en a moins, ils ne sont pas restés dans le même endroit. Ils ont à chaque fois, ils se sont dit, on a fait un voyage, on va faire maintenant un deuxième. Une fois, ils sont tombés dans Mara, qui était l'endroit de l'amertume. Le lendemain, ils ont dit, on doit être positif, on doit continuer. Une fois, ils se sont arrêtés à Mitka, où il y avait de la douceur et du bien. Ils ont dit, non, c'est pas suffisant, c'est bien, il faut encore du meilleur. Une fois, ils ont acheté la Torah à Mont Sinaï, mais après, ils se sont dit, non, il faut qu'on agisse sur nous pour pouvoir être encore plus fort que ce qu'on a sur Mont Sinaï. Parce que le but, pourquoi Dieu nous a créés, c'est pour être des créateurs. Merci. Ce qui veut dire de toujours créer de soi une copie meilleure que ce que nous sommes. Toujours faire ce qu'on appelle la version 2.0, ou 3.0, ou 4.0. Dieu a créé le monde pour rentrer dans un endroit où on ne le laisse pas rentrer. Pas pour laisser Dieu rentrer dans un endroit où tu veux. Pour qu'on participe avec la création du monde. D'élargir ses horizons. De sortir de ses zones de confort. Alors que nous, on a cette tendance à vouloir s'asseoir dans le canapé et être totalement en phase avec sa zone de confort et de faire qu'est-ce que nous voulons faire et qu'est-ce que nous aimons faire et qui nous sommes. Le vrai but pourquoi Dieu a créé le monde, c'est de vouloir être des créateurs, des innovateurs, des constructeurs, créer quelque chose de nouveau. Comme je disais, qui crée sans arrêt de nouveaux meubles. De faire en sorte d'être encore mieux de qu'est-ce que nous sommes. Et on peut remarquer cette idée dans chaque histoire et étape qu'il y a dans la Torah. Prenons la paracha Bereshit et on voit que la première copie était une faille totale. Elle n'arrête pas de nous décevoir. Dieu n'arrive pas, si on peut dire, à gérer ses propres créatures. Il crée un magnifique monde avec un homme problématique qui détruit tout. En quelques heures d'histoire, Adam et Ève mangent l'arbre de la connaissance. Cain tue Abel. Le monde entier tombe dans l'abîme avec le déluge. On vient de commencer, qu'est-ce qui se passe? Tu viens de commencer un nouveau four, tu fais un nouveau gâteau, tout commence à exploser. Là, il y a une étincelle, il y a le four qui explose, le gâteau qui se renverse. Tu viens de commencer la journée, ça va, calme-toi, tu n'es pas encore fini, tu n'es pas encore sous stress. La Torah te dit, ce n'est pas une faille. Ce n'est pas une défaite. C'est ce qu'on peut dire, c'est une défaite programmée. Ça, c'est le message de l'histoire. S'il n'y aurait pas eu la faute, le monde peut-être aurait été plus beau. Mais avec la faute, il a été beaucoup plus créatif. Si je n'aurais pas eu le gâteau raté, je n'aurais pas appris comment le faire mieux. Maintenant que j'ai le gâteau raté, je sais comment le faire beaucoup mieux. Si je n'aurais pas eu le meuble qui a mal été découpé à 5 cm près, je n'aurais pas su comment m'y prendre pour en faire encore un mieux. On a vu les fameuses histoires qu'on voit le Sefer Bereshit et Shemot. Il te parle avec 6 cercles de frères et sœurs. Plus on avance, plus les choses s'améliorent dans la relation. Premier, c'est Cain et Abel. Deuxième, Ishmael et Yitzhak. Troisième, Yaakov et Esav. Quatrième, les frères de Yosef et Yosef. Cinquième, Menaché et Ephraim, et le dernier, Moshe et Aaron. A priori, c'est un monde sans limite. Les gens, ils sont capables de tout faire sans s'arrêter. Ils ne s'arrêtent pas au feu rouge. Mais quand tu vois, ce n'est pas 6 épisodes que la Torah te dit où il y a des tensions dans la famille. Plus on avance, plus les gens, ils acceptent et ils sont capables de se retenir, s'autocontrôler et améliorer leur réponse
face à parfois la méchanceté ou le négatif de l'autre. Première dispute, c'est Caïn et Abel. Qu'est-ce qui se passe? Ça se finit par... Tu m'as entendu? Parle plus fort, t'as peur de crier, qu'est-ce qui se passe? On t'entend. Qu'est-ce qui s'est passé? Un, il a tué l'autre. Une tuerie de masse, mais avec que deux personnes. Un, il a tué l'autre. Il a tué la moitié de la population, tu peux t'imaginer? Imagine-toi aujourd'hui. La deuxième histoire, le deuxième épisode, c'est déjà un peu mieux, c'est Ishmael et Yitzhak. Comment ça s'est séparé? Comment ça s'est arrangé? Par une séparation. Toi, tu vas d'un côté, l'autre, il va d'un côté. Ishmael, il va habiter chez sa mère, Yitzhak chez son père. Troisième round, comme on dit, ça monte encore un cran. Yaakov, il s'enfuit de son frère Esav pendant 34 ans, il vit loin de lui, en dehors d'Israël, mais à la fin, il se rencontre. Il s'embrasse, il s'enlace et commence à décider de vouloir vivre ensemble. Pas mal, non? Après 34 ans de séparation. Quatrième round, c'est la première fois qu'on voit un pardon. Yosef pardonne à ses frères, alors qu'ils l'ont mis dans un trou et qu'ils l'ont vendu en tant qu'esclave en Égypte. Et il est nourri jusqu'à la fin de leur vie. Et c'est les 17 meilleures années de la vie de son père. Cinquième round, Menaché et Ephraïm, au départ, depuis le départ, il n'y a même pas de dispute. Et le grand frère pardonne sur sa gloire au petit frère. Mais ce n'est pas fini. Dans le sixième round, qui est Moshe et Aaron, Moshe surpasse son grand frère. Il prend de lui la direction du peuple juif qui aurait été censé la donner à Aaron. Et Aaron devient l'interpréteur, le traducteur de son grand frère et il lui porte ses affaires. Parce que ça, c'est notre monde. Notre monde, ce n'est pas un monde parfait, mais c'est un monde qui n'arrête pas de nous surprendre. Un monde qui n'arrête pas de nous surprendre, ce n'est pas un monde où depuis le départ tout est beau, tout est rose. Mais on n'arrête pas de créer le bien. Maintenant, on va comprendre un énorme message différent entre la religion juive et les autres religions. La culture du monde, c'est comment tu calcules la journée, quand est-ce que commence la journée, et comment en général se termine l'ancienne journée, la journée précédente. Les Babyloniens, ils ont choisi une idée très simple en disant que les jours commencent du lever du soleil et le lever du soleil. Tout le temps qu'il n'y a pas le lever du soleil, ce n'est pas un nouveau jour. D'accord? Comment on commence la journée? Avec le lever du soleil, à l'époque, il n'y avait pas de montre. Dès qu'on voit le lever du soleil, commence la nouvelle journée. Et donc, l'idée, c'est de commencer la journée au lever du soleil. Et on la termine quand tu te lèves du sommeil après avoir dormi hier soir. Le monde moderne, c'est dit, ce n'est pas juste. Le lever du soleil, ce n'est pas logique. On va faire le nouveau jour quand? De minuit à minuit. Minuit à minuit, ça veut dire à partir de minuit, ta montre, elle change. Un jour en plus, 25, 26, etc. Les gens, en général, ils se lèvent à minuit, ils commencent à se préparer pour le lendemain, commence une nouvelle journée. Bien, le peuple juif qui est toujours bizarre, et qui veut toujours faire les choses différentes des autres. Et quand est-ce que commence la journée dans le peuple juif? On voit, sans embêcher la Torah de Dieu, vaï erev, vaï boker. Il fut nuit, et il fut jour, et ça c'est un jour. Quand est-ce que commence le jour, la nuit, pardon, la journée? Au crépuscule. Dès qu'il commence, le soleil commence à se coucher, un nouveau jour arrive. Quand est-ce que commence Shabbat? On va voir l'histoire couchée du soleil. Attendu du moins. Le soleil va dormir, maintenant pourquoi tu te réveilles? Pourquoi ça commence une nouvelle journée? Quand est-ce que commence Kippour? Couchée du soleil. Pourquoi pas à minuit? Pourquoi pas le lendemain matin? Pourquoi tomber de la nuit? Pourtant, quand tu pars en hiver, par exemple, 4h30, il fait nuit. Nouveau jour. Maintenant, c'est Shabbat. Tu tombes sur la tête, dis-moi. En pleine journée de travail. Qu'est-ce qu'il y a? Comment t'as décidé de commencer un nouveau jour? Et le problème, il est, c'est comme on l'a dit, c'est que Dieu lui-même a fait comme ça. Dieu, en créant le monde, il a commencé la création du monde depuis la nuit. Au coucher du soleil, il a continué à travailler toute la journée jusqu'au coucher du soleil, le lendemain. Et c'est la raison pour laquelle, que dès qu'il y a eu le coucher du soleil du deuxième jour, il a travaillé jusqu'au troisième jour. Et à chaque fois, la Torah te dit, va hier et va y moquer, fut la nuit, fut le jour. Qui commence à travailler à partir de la nuit? En général, dès qu'il commence à faire nuit, les gens vont dormir le soir, ils ne vont pas se réveiller. Commencez la nuit à partir du jour. Commencez le jour, pardon, à partir de la nuit. Rappelez-moi, à la fin, j'ai appris une merveilleuse histoire avec deux types de personnes. Il y a des gens de jour, des gens de nuit. Il y a des gens de jour qui sont des gens qui se réveillent tôt le matin, ils vont travailler. Il y a des gens de nuit qui vont, en général, se coucher dès qu'ils commencent à faire jour. Travail de nuit, d'accord? Il y a des gens qui, la première chose qu'ils se réveillent le matin, ils vont écouter la radio ou lire un journal. Après, ils sont déjà à 5h30 du matin, ils sont déjà après le petit déjeuner. À 6h15, ils vont à la synagogue pour prier en général. 7h30, ils sont déjà en train de répondre au téléphone dans la voiture parce qu'ils sont en train d'aller sur la route. Ils font 3 heures de route pour aller sur Paris que les habitants s'en aiment. Et après, à 1h30, ils sont déjà en train de s'endormir sur la chaise. Au milieu de la journée, ils sont déjà fini la moitié de la journée. Et après, la prière du soir, ils comptent les minutes quand est-ce qu'ils vont aller dormir. D'accord? Et si tu les appelles à 10h du soir, tu leur envoies un WhatsApp, dis où tu vis, je suis en train de dormir, je suis en plein sommeil. Les gens de nuit, c'est le contraire. Ils commencent la journée la nuit. Tu les verras jamais dans le bureau le matin.
avant 10h du matin. Et en règle générale, quand ils arrivent dans le bureau, ils ont la tête totalement, on va dire, HS, ils ne sont plus là, d'accord? C'est comme si quelqu'un allait essayer de les réveiller en plein milieu de la nuit. Eux, en général, ils commencent à éclairer seulement à 4h d'après-midi. Et ils restent les derniers dans le bureau. À 11h du soir, ils répondent au téléphone, ils répondent à des emails, ils commencent à monter, ils commencent à faire du sport. À 1h du matin, ils te laissent à moi, ça fait 1h que je t'attends, tu es. Ils sont déjà... Le plus grand problème qui se passe, c'est quand un homme de jour se marie avec une femme de nuit. Ou le contraire. Ça, c'est la meilleure recette pour les disputes dans le couple. Parce que l'homme de jour, il s'énerve. Pourquoi la femme de jour ne l'aide pas pour s'occuper des enfants le matin? Et la femme de nuit s'énerve contre son mari. Pourquoi il perd son énergie le soir? La seule chose qu'il veut, c'est fermer la lumière. Dieu lui-même, il est plus un homme de nuit qu'un homme de jour. Il commence à travailler dès qu'il commence à faire nuit. Pas dès qu'il commence à faire jour, c'est ce que la Torah nous dit. Et la réponse que la Bible donne dans un merveilleux discours en 1951, c'est le but pourquoi Dieu a créé le monde, c'est justement de nous emmener toujours de l'obscurité vers la lumière. Dieu n'a pas créé un monde éclairé, il a créé un monde qui tombe, un monde qui a des failles, un monde qui n'arrête pas de se reformater. Un monde dans lequel Dieu il attend de toi de te chercher au fin fond du tunnel, il y a une lumière qui va exister. Pas un monde dans lequel tu es arrivé en pleine lumière et que tu vas tomber dans les sombres. Ça c'est le message de la paracha Massé. Si ma chère n'est pas encore arrivée aujourd'hui, tu as un devoir de te demander pourquoi. Il faut que je fasse quelque chose pour ma chère qu'il arrive. Faire encore atteindre encore un but, encore un niveau. Faire encore quelque chose pour éclairer le monde, ouvrir un nouveau Beit Chabad, ouvrir une nouvelle ambition, aller chercher des juifs français de Neuilly-le-Valois, 16e ou Maison Alfort, à Monténégro pour qu'ils entendent des paroles de Torah pendant une dizaine d'heures ce Shabbat. Et comme ça, tu feras le monde pour un monde meilleur. Et ça, la vie te répond à la question pourquoi on a dit voici les voyages qu'ils ont faits depuis qu'ils sont sortis d'Égypte. Alors qu'on a dit tout à l'heure, il y a eu un voyage pour sortir d'Égypte, de Ramsès à Sukkot, pas 36. Parce que toute la vie, on n'arrête pas de sortir d'Égypte. De niveau en niveau, on n'arrête pas de monter. Et plus tu avances, plus hier c'était considéré l'Égypte par rapport à aujourd'hui. Plus hier c'était une Égypte que tu es sorti de cette Égypte hier. Aujourd'hui, tu as un devoir de sortir d'une nouvelle Égypte. C'est ce que mon ami écrit ça en Écoute de Sichot 2, page 348. Cette idée qu'on voit dans la paracha de cette semaine, elle est révolutionnaire. Pour nous et pour nos enfants. Et révolutionnaire parce que le bonheur dans la vie se trouve seulement dans celui qui sait comment briser des horizons et faire plus que qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire. Au-delà de la norme, surmonter ses limites, pas rester dans sa zone de confort, ça j'aime, je prends, ça j'aime pas, je prends pas, ça j'ai l'habitude, je fais, ça j'ai pas l'habitude, je touche pas. Va vers ce que tu n'as pas l'habitude. Va vers quelque chose que tu n'aimes pas faire. Comme on l'a dit tout à l'heure, quand Marc, tu t'es dit, tu as une grenouille à manger, mange ça la première chose du matin. Quelque chose que tu n'aimes pas, attends, mange ça la première des choses, après tu es tranquille. Quelqu'un, il a deux médicaments à prendre, un qu'il aime, un qu'il n'aime pas. Qu'est-ce qu'il fait en général? Il prend d'abord celui qu'il n'aime pas. N'est-ce pas? Tu parles d'expérience, tu vois. La Gemara te raconte une merveilleuse histoire. Mais avant ça, un merveilleux exemple par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Dans la paracha de Hukotai, dans ma Yikra, la Torah te dit, si vous faites ce que je vous demande, et vous respectez mes mitzvot, Rashi te dit, qu'est-ce que ça veut dire si vous faites ce que je vous demande, que vous vous fatiguez dans la Torah. Dieu te promet le meilleur pour tout celui qui fait Torah et mitzvot, mais pas seulement parce que tu fais Torah, je mets les tefillin, je fais Shabbat, non. Rashi vient et te dit, c'est pas suffisant d'avoir des connaissances, d'avoir des études, mais de briser les barrières. Se fatiguer dans ce que tu fais. Quelque chose qui te demande des efforts contre quelque chose qui ne te demande pas d'efforts. Le Chafetz Chaim, il a amené un exemple. Quelqu'un est entré une fois dans un magasin de costumes. Il s'appelait JC. Et il a regardé les étiquettes pour savoir qu'est-ce qu'il va acheter comme costume. Écoute bien pourquoi j'ai donné cet exemple. Le premier costume, 100 euros. Le deuxième, 150. Le troisième, 10 000. Nous, il s'est dit certainement que ce costume, c'est un costume qui a été fait par un couturier et qui va savoir, qui a aujourd'hui 90 ans, qui est assis en Italie quelque part. Ça vaut la peine de l'essayer. Bref, il essaie le costume. Et il voit qu'il y a des défauts partout. Là, il y a des fils qui pendent. Là, les boutons, ils ne sont pas droits. Il s'est dit quoi, sur une telle ratée, tu te demandes 10 000 euros, fais de qui tu te moques. C'est immense. Tu l'as déjà raconté, toi. Et là, il lui dit, le patron du magasin lui dit, tu sais quoi, il fait ce costume, tu sais ce qu'il a fait, c'est quelqu'un qui est totalement aveugle, qui ne voit pas ce qu'il fait. Il s'est fatigué dessus des années et des années. Il fallait lui payer tout son salaire, et puisqu'il fallait lui payer pendant plusieurs années, c'est pour ça qu'il demande le prix. Alors, c'est pas pour ça que le client qui s'appelle Jean-Claude est parti acheter le costume. Je te garantis, ça ne l'a pas convaincu. Pourquoi? Parce que dans notre monde, on teste en général, on juge en fonction des résultats et pas en fonction des efforts.
Mais Dieu, il paye en fonction des efforts et pas en fonction des résultats. Tellement riche. Tu peux avoir deux personnes qui ont le même résultat. Celui qui n'a pas fait d'effort, il aura beaucoup moins d'appréciation que celui qui a fait un effort. La Gemara Chagiga nous raconte une fameuse phrase, page 9, que la Noura Zakan écrit ça dans le Tanya. Pourquoi c'est écrit que Dieu a fait une différence entre un tzadik et un rachat, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu? A priori, un il sert Dieu, c'est un tzadik, celui qui ne sert pas Dieu, c'est un rachat. La Gemara te dit non. On parle ici de deux tzadikim. Mais ça ne ressemble pas à celui qui a appris son chapitre, qui a révisé 100 fois, et celui qui a révisé 101 fois. Pourquoi ? Je te dis, comme les tarifs des Uber à l'époque, qui étaient des ânes, ou ceux qui portaient, pas des ânes, ceux qui portaient les affaires des autres, des carrossiers ou quoi que ce soit. Tu as l'habitude de dire, si tu vas 10 km, c'est 1 zouz, 11 km de zouz. C'est 10 km, 1 zouz à l'époque, 1 euro. 11 km, ça devrait être. Un dixième. Si 10 km, 1 euro. 11 km, ça devrait être 1,10 €. On est d'accord? Pourquoi ils prennent 2 €? Il te dit parce que la personne a fait plus que la norme. Le tarif normal, les distances normales, quand tu prends le Corsica Ferry, je ne sais pas quoi d'autre, pour faire 30 minutes, ça c'est le tarif. Tu fais 35 minutes au pays doux. Pas logique. La plus pire des choses que les parents peuvent faire à un enfant, c'est de faire en sorte qu'un enfant ne va jamais surpasser ses forces, surpasser ses limites. Rester peinard, comme on dit, à l'aise, jamais faire aucun effort, jamais faire quelque chose de plus. La meilleure des choses que les parents peuvent faire à un enfant, c'est de l'enseigner de faire quelque chose qu'il n'aime pas faire et de réussir à le faire. Et ça, c'est le gros problème du jour, exactement. Et comme je l'ai inventé plusieurs fois, c'est pour ça que la Torah, le parjet de la semaine, elle te parle. Et c'est pour ça que le Chafetz Chaim t'explique le langage qu'on dit dans la Tfila, que certains ont l'habitude de dire tous les jours, eux ils se fatiguent et nous nous fatiguons. Eux ils se fatiguent, ils ne reçoivent pas de salaire. Nous on se fatigue et on reçoit un salaire. Quoi, les autres nations ne se fatiguent pas, ils se fatiguent et ne reçoivent pas de salaire. Il explique, eux ils reçoivent un salaire en fonction des conséquences de la fatigue. Nous on reçoit un salaire sur l'entraînement. Ça c'est toute la différence. T'as les grands sportifs qui vont s'entraîner pour faire je ne sais pas combien d'années du vélo pour finalement faire le marathon de Paris ou faire le Tour de France ou aujourd'hui le Tour des femmes de Seine-et-Marne et qu'il arrive, le malheureux en dixième de finale, je ne sais pas quoi, il a raté toute la course. Qu'est-ce qu'on en a fait de tes entraînements? Ah, tu t'es battu pendant 3 ans, tant pis pour toi, au final, tu n'es pas arrivé à la course. Dieu, tu dis non, ce n'est pas ça que je compte. Moi, je compte tous les efforts que tu as fait dans l'entraînement. Ah, tu n'es pas arrivé à la fin, qu'est-ce qu'on en a fait? Tu as fait des efforts, ça, c'est ce qui compte. Et ça, c'est la grande différence entre l'éducation juive et l'éducation chinoise. On ne peut pas froisser les Chinois qui sont parmi nous, ou qui entendent le cours. Que la Torah te demande des efforts, elle ne te demande pas de perfectionnisme. Un juif n'a pas besoin d'avoir 100 sur tous les examens, ou 10 sur tous les examens, ou A partout. On lui demande de faire plus que qu'est-ce qu'il peut faire, de qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire. Et donc, si un enfant, il avait avant 65, aujourd'hui il a 71, il doit recevoir tous les honneurs. Pas parce qu'il n'a pas eu 100. Et c'est pour ça que la Torah n'oblige pas tous les enfants de savoir jouer au piano et de savoir jouer au violon. La Torah, elle essaie de te dire, regarde quels sont les traits de caractère particuliers de chaque enfant. Focalise-toi l'histoire dans ce qui est proche pour lui. S'il veut apprendre la Mishnah, la Halakha, les histoires, tu peux pour rien que David HaMelech, le roi David, avait l'habitude de dire, le Olam, il met el Chanoch Lanar, el Pidar, que pardon, Shlomo HaMelech, le roi Salomon, éduque un enfant en fonction de son chemin, ce qui est bien pour lui. De toujours apprendre dans l'endroit où il veut apprendre, où il veut excéder. Et avancer dans cet endroit, et augmenter sans limite. Un des shluchim du Rabbi en Belgique, qui raconte que quand il était jeune, il apprenait dans une yeshiva qui n'était pas Chabad, à Jérusalem. Une fois, il a vu qu'un de ses élèves, il était down, comme on dit. Il était un peu avec une mauvaise humeur. Il lui a demandé, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe, qu'est-ce que tu as dans le cœur? Il lui a dit, il n'y a pas de justice sur terre. Je n'arrête pas d'apprendre jour et nuit pour pouvoir obtenir une réussite dans l'étude, et à la fin, j'ai toujours des notes moyennes. Je me fatigue, ce n'est pas quelqu'un qui disait qu'il est dans les cours, il est en train de s'amuser au PlayStation. Il se fatigue réellement. Il fait, j'ai toujours des moyennes notes. Il fait, lui qui est à côté de moi, il a des capacités gigantesques, c'est quelqu'un qui est un génie. Il apprend presque rien. Il écoute 2 minutes de cours, il connaît tout le cours. Et lui, il a les meilleures notes à chaque fois, il a la justice ici. Pourquoi moi je me fatigue comme un idiot, j'ai jamais de bonnes notes? Et lui, il se fatigue pas, il a toujours de bonnes notes. C'est injuste. Il a dit, tu sais quoi? Écris au Rabbi. Rabbi va te donner une réponse. Il a écrit au Rabbi, comment ça se fait que Dieu a fait une telle injustice? Et la Bible répond à la phrase suivante.
Il n'y a aucune mitzvah d'être un génie. Un juif n'a pas le devoir de devenir un perfectionniste. La mitzvah, c'est de servir Dieu, et chacun à son niveau, avec les efforts, il donne la plus grande satisfaction à Dieu. Quelqu'un qui ne fait pas d'efforts, qui se regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'il fait sur terre? Ah, il a des sangs, peut-être pas avoir des sangs, alors. Toi, tu dois faire des efforts, ça c'est ce qui compte pour toi. Je vous ai raconté plusieurs fois cette histoire, on l'a vu aussi en vidéo plusieurs fois. Gimpel Orimland, c'est un juif qui dirigeait des maisons de repos en Miami. C'était pas un Chabad. Mais il s'est rapproché de Chabad parmi les élèves d'Aïshiva Miami qui allait visiter. Une fois, il a décidé d'aller voir le Rabbi Shabbat Breshit. Ce Shabbat, on vendait dans la synagogue les différents mérites, les différents mitzvot qu'il y a dans l'année. D'accord? Par exemple, d'ouvrir le Chal, lever les Sefer, le vin pour le Kiddush, etc., etc. Non, lui, il n'a pas compris ce qu'ils sont en train de vendre aux enchères, parce qu'il ne connaissait pas un peu ce qui se passe. Mais il a voulu un peu, comment, de lever la main, comme dans une soirée, un gala, pourquoi pas, je participais. Et il lève la main, il dit, je prends 1000 dollars. Je participe à 1000 dollars, un don de Zaka pour l'année, c'est pas mal, c'est important. Et là, Rabbi le regarde et lui dit, de toi, je demande 5000. 5000. Il a eu peur. Rabbi dit, écoute, je promets que si tu prends sur toi cet engagement, l'année prochaine, tu pourras donner double et triple. Pour lui, c'était une énorme fortune à l'époque. Mais à la fin, il s'est dit, regarde, Rabbi m'a promis que l'année prochaine, je donnerai double et triple. Donc, chaque jour, il attendait un téléphone du dirigeant de la banque. Ou du dirigeant de la, comment on appelle ça, pas l'euro million, de l'US million, à savoir. L'année se passe, l'année avance, et rien de spécial. Il a donné 5000 dollars, il a pris un don de 5000 dollars, il lui a demandé. La veille de Rosh Hashanah, juste avant, il reçoit un téléphone du bâtiment qui est juste à côté de sa maison de repos, qui était le dirigeant de l'hôpital, le plus grand hôpital à l'époque, qui lui demande est-ce que tu veux pas acheter le bâtiment. Il a dit, j'ai jamais pensé à acheter un bâtiment pour devenir encore plus large. Il dit, c'est quoi s'il me propose, pourquoi pas? Ils ont dit, viens, on va se rencontrer, on va signer un protocole, un procès verbal, juste pour avoir des idées, c'est quoi les grandes lignes. L'hôpital voulait acheter son bâtiment. Et lui, il n'a jamais voulu s'en vendre son bâtiment. Il s'est dit, ouais, j'ai un travail pour rejoindre. Mais l'hôpital veut grandir, donc il dit. Donc il a dit, on va signer les grandes lignes. Et comme ça, il a reçu un acompte. Sur la vente. Quel est l'acompte qu'il a reçu sur la vente? 15 000 dollars. L'acompte sur la vente, pas la vente totale. C'est que l'acompte sur la vente était trois fois les 5 000 qu'il avait promis dans Zakhala l'année dernière. Nous, là, il était tout fier de lui. Il s'est dit, mais non, j'achète un billet pour la New York, je retourne à Simchat Torah, et là, j'attends de voir qu'est-ce qu'on avait demandé cette année. Pas seulement cette année, il va me dire 15 000. Comme ça, l'année prochaine, je fais encore trois fois plus, c'est encore mieux, etc. Et il s'est dit, j'espère qu'il va me donner le maximum. Comme ça, l'année prochaine, je fais encore le double et le triple. C'est comme si c'est calcul des impôts. Et là, il y avait un juif qui s'appelait Berel Weiss, qui commence à vendre aux enchères le premier verset de Simchat Torah, Tor et Tor. Et lui, je ne sais pas, 100, 200, 300, 400, chaque instant, ça va, qui c'est qui va gagner? À la fin, il s'est dit, bon, l'autre, il est plus fort que moi, je ne vais pas y réussir. Il a dit, le deuxième verset, je le prends sur la vie du Rabbi. Ce que le Rabbi veut, je donne, j'ai chèque en blanc. Tu veux 1 million, j'en ai besoin. Ok. Maintenant, il s'est dit que j'espère que là, je vais être étonné. Après Shabbat, il rentre en audience privée chez le Rabbi. Le Rabbi n'a rien parlé. Alors lui, il n'a pas parlé de ce sujet. Donc il demande au Rabbi, qu'est-ce que je dois écrire sur l'échec pour la première, ce que j'ai fait, c'est Prater. Le Rabbi lui a dit, 126. Il regarde le Rabbi, il s'est dit, quoi? Quand l'année dernière, je n'avais pas un centime, le Rabbi m'a demandé de donner 5000. Cette année que j'ai les capacités de pouvoir faire, le Rabbi me demande 126. Le Rabbi lui a dit, Gimped, s'il te plaît, je n'ai pas besoin de ton argent. Ce que j'ai besoin de toi, c'est que tu brises tes barrières. Tu sors de ta zone de confort. L'année dernière, tu as brisé tes barrières avec la somme que je t'ai fixée. Maintenant, donne ce que tu as envie, les chamchamèmes, ce que Dieu veut que tu donnes, donne ce que tu as envie. Tellement riche dans la vie de chacun d'entre nous de savoir combien on doit se surpasser, surmonter. Mais pas faire ce qu'on a envie de faire. Tu vois que c'est facile à te dire, tu vas aller à Montenegro, 44 degrés de chaleur. Et tu vois affiché, tu commences à trembler. En plus, un soleil de plomb. En plus, parler avec des jeunes pendant, je dis, presque 24 heures non-stop. Je n'ai pas fixé, c'est pas moi qui ai fixé, c'est comme ça que c'est passé. C'était le président, ils avaient cette opportunité, ils étaient là sur place, là, d'accord? Ils sont jeunes, ils ont plein de questions, non? Et qu'est-ce que je voulais dire? Quoi? Tu avais peur des 44 de différentes questions, peur, etc. Et grâce à Dieu, tout va bien, tu comprends? Vous étiez habitué parce qu'il y a eu du 40 ici. Non, on n'est pas habitué du 44. On n'est pas habitué avec du 44. Maintenant, il fait meilleur. Il y avait la clim dans le bâtiment, mais même la clim ne marchait pas, c'était quand il fait tellement chaud dehors.
Chers amis, le cours sera repris sur l'application Etora et sur Google et Apple. Et surtout, qu'on puisse toujours, toujours partager que des bonnes nouvelles. Qu'on puisse toujours surmonter, se surpasser, faire des efforts. Comme on l'a dit au départ du cours, c'est la raison pourquoi la Torah dans ma salle te compte tes voyages et pas les commandements pour te dire que tu as un devoir de toujours aller au-delà de ce que tu peux ou veux faire. À l'encontre de ce que tu veux. Comme on l'a dit, la première des choses que tu dois faire le matin, c'est faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Et là, tu es garanti d'avoir une réussite. Mais si la seule chose que tu veux faire, c'est de faire de... la seule chose que tu cherches à faire, c'est ce qui te fait plaisir, et tu ne vas surtout pas sortir de ta zone de confort, tu es garanti de rater ta journée et rater ta vie. Mais est-ce que la meilleure chose, c'est de faire ce qu'on n'aime pas faire pour être tranquille, pour faire les choses qu'on aime? T'as pas pour être tranquille, c'est que ça te montre que ce n'est pas si grave que ça. T'as pas fait quelque chose de si mal que ça. Ça te montre que tu as réussi à te surpasser, à te surmonter. Et ça te motive de pouvoir faire encore plus. Et c'est pour ça qu'on a les 42 voyages, que chaque jour on doit sortir d'Égypte. Chaque jour avancer. C'est vrai, j'en ai dit. La dernière histoire. Avec la maison de repos, etc. Ah, c'était ça? Non, mais entre ceux qui sont du jour et de la nuit. C'est ça. Ah, c'était oui, ça. C'est ça. Okay. Que Dieu vous bénisse, au courant, vous plaît, sur Ritora, ETORH, sur Google, Apple. Très bonne journée à tous, à la semaine prochaine.